Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Le 9 mai 1992, Chouchi a été libéré. Artsakh héros de guerre Vania Gavrilov Abrahamian est devenu immortel. Le président de l'Artsakh a reçu les responsables de l'administration du district de Hadrut et les chefs de certaines communautés. Aucune violation n'a été enregistrée dans la zone de responsabilité des casques bleus en Artsakh, ministère de la Défense. Les questions actuelles dans le cadre de la coopération arméno-française et franco dans le domaine de l'éducation ont été discutées. La culture arménienne ancienne. Une présentation du livre de Mihran Perkic Aulio. Djavakh a célébré le traditionnel Tsraton, soutenant la télévision d'État d'Arménie occidentale. Dans l'histoire de la lutte de libération arménienne à la fin du XXe siècle, la libération de Chouchi, qui a eu lieu le 9 mai 1992, est un exploit de la stratégie et de la détermination des Arméniennes. La libération de Chouchi était nécessaire pour la survie dans la patrie. L'opération a été appelée « mariage dans les montagnes ». D'une mise en œuvre presque sans faille, cette opération a marqué un tournant dans la guerre de libération de l'Artsakh. Premièrement, il s'agissait d'une nécessité historique de rétablir le droit du peuple arménien à vivre dans sa patrie. Ainsi, la libération de la République d'Artsakh est devenue réelle, quelle que soit la manière dont l'Azerbaïdjan tente de s'attribuer Chouchi au moyen de faux documents. Chouchi reste une ville arménienne. Le président de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, a exprimé ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Vania Abrahamian. « Mes condoléances, nous savons combien il est difficile de perdre un compagnon d'armes. Nous avons des problèmes. Consolons-nous en nous disant que nos compagnons d'armes vont reconstituer et renforcer notre armée céleste et deuxièmement que nous nous souviendrons de nous battre à nouveau à n'importe quel prix. » Le 6 mai, le président de la République d'Artsakh, Arai Karutsunyan, a reçu les dirigeants de l'administration du district de Hadrut et les chefs de plusieurs communautés. La nécessité de revoir les fonds alloués par le budget de l'État pour l'entretien des institutions publiques déplacées à partir de 2020 a été particulièrement soulignée. Il a souligné que l'objectif de réduction de personnel prévu dans les différentes agences gouvernementales n'est pas d'économiser des ressources financières, mais de respecter les principes de justice sociale. Selon le président, l'un des objectifs de la réunion est d'organiser une discussion intéressée, indique le communiqué. À l'issue de la réunion, le président a demandé aux autorités concernées de soumettre des propositions concrètes pour résoudre les questions en discussion dans un bref délai. Le contingent russe de maintien de la paix continue à remplir ses missions en Artsakh, malgré que les 3/4 du territoire de l'Artsakh sont sous occupation de l'ennemi. C'est ce qu'a rapporté le ministère russe de la Défense. Il est à noter qu'il n'y a aucune violation dans la zone de responsabilité du contingent de maintien de la paix russe. Les unités de maintien de la paix russe ont escorté ce convoi des forces armées de l'Azerbaïdjan vers le sud, à travers le corridor de la Chine. Des patrouilles ont été menées dans les districts de Chouchi, Martakert et Martouni, et dans le corridor de la Chine pour assurer la sécurité des casques bleus russes et prévenir d'éventuels incidents. Il existe une coopération constante avec les états-majors des forces armées d'Azerbaïdjan et d'Arménie, indique le rapport. Le vice-ministre de l'Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports de la République d'Arménie, Artur Martirosyan, a reçu l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République d'Arménie, Anne Louyot. La réunion s'est déroulée en présence de Guillaume Narjo, conseiller de l'ambassadeur, et de Geline Serine, attachée. Un certain nombre de questions à l'ordre du jour de l'Arménie et de la France ont été discutées au cours de la réunion, notamment la mise en œuvre des accords dans les domaines de l'éducation et de la jeunesse dans le cadre de la conférence sur la coopération arméno-française consacrée au 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Arménie et la France à Paris en mars de cette année. D'autres questions ont également été abordées au cours de la réunion. La culture arménienne s'est formée pendant la période de la formation très ancienne de la nation arménienne. De nombreuses colonies et tombes anciennes ont été fouillées en Arménie occidentale. Les outils, les objets ménagers et les bijoux qu'on y trouve indiquent un niveau élevé de développement culturel. Le royaume d'Ararati a joué un rôle dans la formation de la culture arménienne ancienne. La plupart des découvertes datent des règnes de Menoua, Argishti Ier et Sardur II. En préservant soigneusement la science, la nation arménienne a apporté une digne contribution à la culture commune du monde.
le centre Tekeyan à Yerevan a accueilli la présentation du livre « Traces de notre existence » par Mihran Perkic, citoyen d'Arménie occidentale et membre du Parlement. Parmi les invités figuraient des citoyens, des personnalités culturelles et des chercheurs d'Arménie occidentale. Au cours de l'événement, Mihran Perkic a détaillé l'histoire du livre, qui est directement liée au sort des Arméniens vivant en Arménie occidentale avant et après le génocide. Notamment, aujourd'hui encore, les Arméniens cachent lutte pour conserver leur identité nationale et religieuse. Sahak Mutafian, député d'Arménie occidentale, a assisté à la présentation. Cette année, la journée du carton a commencé par la pluie, mais cela ne vous a pas empêché de fêter dans la joie. Le terme carton a une signification particulière. Chaque année, ce jour-là, les villageois se rassemblent près de l'église de Saint-Georges, qui est appelée le monastère de Kraton. Des jeunes de différents villages du district viennent participer aux festivités. Ils viennent voir les filles, s'amusent les adultes. Selon les femmes, il est possible d'éviter d'enfreindre les règles de la fête en jetant une orge vers le haut et en disant « Quelle mauvaise chose, j'ai fait reparer là ». Chers compatriotes, la télévision d'État d'Arménie occidentale ne fait pas de publicité privée. Notre travail vise à préserver et à développer le lien entre nos compatriotes et la patrie. En ce moment historique, nous avons toute la responsabilité de soutenir nos revendications nationales afin de relever les défis auxquels nous sommes confrontés ensemble et parvenir à l'établissement de nos droits justes qui sont malheureusement ignorés dans les relations internationales contemporaines. Notre combat est long, mais la victoire est inévitable. Dans cette longue et difficile lutte, nous avons besoin de soutien de chaque Arménienne. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Gülçünes daha parit ve maşe Duka katiyes Yeski rakam zil İm bancare kuhancarin ve naşe Vaa